Bonjour à tous, ici Gromy pour la vidéo du mardi. Alors encore une fois, ça va être une vidéo assez courte pour vous présenter une de mes activités. Cette fois-ci, il s'agit de la chaîne Twitch que j'ai lancée hier. Et donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Twitch c'est une plateforme de streaming, donc de vidéos en direct. Et donc j'ai lancé une chaîne pour dessiner en direct avec vous. Les objectifs de cette chaîne sont multiples. Donc le premier objectif le plus important c'est de partager, de discuter avec vous, mais aussi de faire des dessins en commun. Donc des collaborations... J'ai commencé hier avec une collab avec La Bête Noire, qui est une dessinatrice indépendante que je connais par illustration motivation et par d'autres forums. Et donc j'ai envie de multiplier ce genre d'action, de faire plus de dessins en commun avec des gens, et vraiment de partager le dessin. Je trouve que c'est ultra motivant de faire des dessins à plusieurs. Donc moi je dessine en direct sur la chaîne Twitch, mais vous, vous pouvez également dessiner en même temps que moi sur le même thème ou sur d'autres thèmes, et on en discute. Et pour moi le côté communautaire est vraiment super important. Là-dedans, donc c'est déjà quelque chose que je mets en avant avec Illustration Motivation. Mais avec cette chaîne Twitch, je veux vraiment euh, rapprocher encore les gens. Et se lancer des petits défis mutuels. Donc ça c'est pour l'objectif principal de la chaîne. Mais il y a des objectifs secondaires en fait qui sont... qui découlent un petit peu de ça, en fait. Je trouve que c'est une très bonne source de motivation. à la fois pour moi et pour les autres. Motivation pour moi, parce que c'est euh, le fait que vous me regardiez dessiner, ça m'oblige déjà à... Euh, à être concentré, à dessiner le mieux que je peux, et sur des plages de dessin assez longues. Mais motivation pour vous aussi, puisque voir des gens dessiner, je trouve que c'est toujours motivant en fait pour dessiner soi-même. Et ça peut donner des idées et des envies. Donc troisième objectif qui me semble important, c'est le fun, tout bêtement. Enfin, c'est toujours plus marrant de dessiner à plusieurs. Et je compte lancer des petits défis et des petits concepts de, de stream assez marrants, je vous laisse, je vous garde la surprise pour la suite. En tout cas, l'idée c'est que vous soyez aussi partie prenante du stream. Quatrième objectif, c'est aussi de progresser tous ensemble. Donc de donner des conseils, de recevoir des conseils. Et encore une fois, le fait que ça se fasse en direct, c'est quelque chose d'assez important puisque si quelqu'un a un problème, je peux euh, répondre à une question de manière immédiate. Et en même temps, vous, vous vous voyez dessiner, donc vous pouvez me faire des retours en direct sur mon travail. Donc tout ça, je pense que c'est assez enrichissant pour tout le monde en fait. Et dernier objectif, c'est quelque chose qui est un petit peu secondaire pour le coup. Mais c'est un petit peu euh, lié à Twitch et à mes euh, passions personnelles qui sont donc le dessin et le jeu vidéo. Donc je vais vous présenter des jeux vidéo indépendants de manière très courte, de manière très peu formelle. Euh, juste pour vous montrer des petits. Euh, vous donner des noms de jeux et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble de manière très rapide. Euh, souvent en fin de session. Donc euh, bah, vu que la plupart de mes sessions seront euh, le matin, bah, ce sera autour de midi, je présenterai un jeu indépendant. Et pour des sessions qui seront. Euh, un peu plus exceptionnel, bah, ce sera toujours en fin de session de toute façon où je jouerai à un jeu. Tout ça donc pour vous présenter des jeux, pour vous les faire découvrir et pour donner un petit peu de visibilité à des jeux qui sont parfois un peu méconnus. Et donc à quel rythme je vais présenter tout ça Eh bien on va commencer déjà par euh, des streams qui vont être 3 euh, matins par semaine, le lundi, le mardi et le vendredi. Et donc ces matins-là je commencerai entre 8h30 et 9h15 et je finirai vers midi, midi et quart. Donc ça c'est le programme de base. Après je ne m'interdis pas évidemment de faire des streams à la volée. Euh, un peu quand ça me chante. De toute façon, vous serez prévenu. Surtout si vous vous abonnez à la chaîne Twitch. Vous serez prévenu par mail. Et sinon, bah, vous serez prévenu euh, si vous me suivez sur Facebook, sur Twitter. Ou si vous êtes inscrit sur le forum d'illustration motivation. Je pense que le plus simple, ça reste quand même de s'abonner à la chaîne Twitch. Pour, avoir, pour être sûr de ne rien louper, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur Twitch, les replays, donc les vidéos, sont rediffusées pendant 14 jours. Après ça, elles disparaissent définitivement. Donc euh, à vous de, de prendre connaissance des vidéos euh, dans les 14 jours suivant leur diffusion. Donc si vous n'êtes si pas disponible le matin, si vous bossez, euh, ce qui est tout à fait euh, probable, bah, vous pouvez les revoir à n'importe quel autre moment de la journée et ce pendant 14 jours. Par contre après, il n'y a, a pas le dynamisme du direct qui fait euh, que c'est quand même plus intéressant de voir ça en direct. J'essaierai de faire des streams le soir mais c'est beaucoup plus compliqué pour moi le soir donc, euh, donc je ne garantis rien à ce niveau-là. Donc après pour le programme de cette semaine, bah là du coup on est déjà mardi, donc euh, les, les streams du lundi et du mardi sont passés. Et donc pour l'instant j'ai fait une collaboration hier, qui n'est pas encore finie hein, mais qui est en cours. Et ce matin j'ai commencé à définir un petit peu euh, l'esprit graphique de la chaîne, de à la fois de la chaîne Twitch et euh, de euh, tout ce qui me concerne en fait. Donc j'ai pas mal travaillé sur le personnage qui me représente, celui que vous voyez en fait à l'écran depuis le début de cette vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, euh, si vous avez des idées, voilà, je suis preneur de tout euh, conseil, retour, en ce qui concerne d'ailleurs euh, tous les aspects de mon travail. Hein. Et donc, ça, je pense que ça va me prendre encore euh, vendredi matin, et euh, sûrement peut-être un bout de la semaine prochaine. Et sinon, bah la semaine prochaine, je vais essayer de trouver une nouvelle collab, donc je vais essayer de, de trouver quelqu'un euh, avec qui partager un dessin. Et sinon, bah après, j'ai pas mal de boulot perso en cours, hein, donc euh, je vous montrerai ça sur la chaîne Twitch. Que pas concernant cette chaîne YouTube, euh, bah, je, vais je vais commencer à faire des vidéos qui seront un petit peu plus construites euh, et sûrement avec pas mal d'images inédites comme celle que vous voyez là avec euh, mon personnage et, euh, et sûrement avec d'autres choses aussi qui vont, euh, qui vont se mettre en place petit à petit. Par contre, ces vidéos-là prennent plus de temps à faire, donc c'est peut-être des vidéos qui vont être moins régulières dans le temps, mais par contre, il y aura toujours une vidéo tous les mardis. Par contre, ça va être euh, peut-être un peu plus souvent des présentations d'artistes, des présentations de ce que, euh, que j'aime. Euh, des, euh, ça peut être des BD, euh, des euh, films, des jeux, des dessins animés. Et il va y avoir euh, au moins une fois par mois des vidéos plus construites, donc avec, euh, avec, des, avec pas mal d'images inédites, avec, euh, avec une petite narration parfois, peut-être euh, un peu d'animation. Donc on verra au fur et à mesure du temps. Et donc la semaine prochaine, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la critique d'un dessin d'un de, de mes abonnés. Ce qui est ce que je fais euh, via mon Tipeee. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire sur mon Tipeee.. Pour avoir des retours, eh n'hésitez ben, pas. Le lien est dans la description de la vidéo. Et donc, pour recevoir une critique la semaine prochaine, euh, j'en tirerai un au sort parmi tous ceux qui m'auront envoyé leur image soit par mail à le.gromi.gmail.com ou sur Facebook sur euh, le, la page de Gromi. Vous pouvez m'envoyer un message euh, privé là-dessus avec votre image en pièce jointe. Dernière chose, si je pense qu'il y a des parties de vidéos Twitch qui sont vraiment très intéressantes, et qui méritent d'être gardés plus longtemps que 14 jours, euh, j'essaierai je, de les découper et de les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera sûrement euh, découpé un petit peu à l'arrache, ce ne sera pas forcément des vidéos très formelles. Mais ça fait qu'il y aura sûrement un petit peu de contenu qui va apparaître sur la chaîne YouTube, en plus des vidéos du mardi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la critique d'un dessin d'un de mes euh, abonnés. D'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Salut!